Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Duty Game. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de découverte de mode sur Farming Simulator 22. Et ben c'est parti, on va d'abord acheter un terrain, Il me faut un terrain. J'achète le terrain. Voilà, alors on va commencer par découvrir les abris. C'est dans construction. C'est vrai. Abri, tac, ça doit être tout à la fin, c'est comme dans le 19. Tac, voilà, on les a en 4 modèles, hein, qu'on peut tous poser pour les voir. Hein, on va les poser comme ça. Là, ça à nous aussi, et ben voilà. Et ben allez, hop. Hein. Le troisième. Ouh là, le dernier a l'air d'être grand alors. Et le quatrième. C'est les mêmes, hein. C'est les mêmes, juste en version voilà, plus grande. Sinon c'est les mêmes, hein. Ah, j'ai pas vu un truc par contre. Est-ce qu'on peut changer par exemple la couleur? Je sais pas. Non. Non. Tac. Alors, les ouvertures. Nickel. Avec le bon bruit, tout ça. Ouais, voilà, c'est classique. On peut pas l'ouvrir dans l'intérieur? Ah si. Est-ce qu'il y a des lumières? Ah. Non, fermez la porte. Fermez la porte, ça croupir. Non, j'ai pas l'impression. Ah bah non, de toute façon, t'as juste à regarder en l'air. Y a pas de lumière, tout simplement. Voilà. Ben voilà ce qui est. Après, bon, ça arrive, je vous montre les autres, hein, c'est pareil. Hein. On les a, voilà, en plusieurs modèles. Là. Là, on était sur du 2, 4, 6 portes. Là, on est sur du 5. Est-ce que ça va faire 5, 4, 3? 5, 4 et 3. Pour le plus petit. Voilà. Ensuite, alors, on a un autre truc à découvrir. Alors, on a le... attends, on va aller dans mode, c'est plus simple. Le tracteur autonome de chez Case. Bon, il est... c'est juste le skin, hein. Dans le jeu, il est pas autonome ou quoi que ce soit. Bon, bah, vous mettez un ouvrier, ça fait genre il est autonome, mais bon, il est pas autonome vraiment. Hein. Voilà. Mais voilà, ça peut faire plaisir à certains d'avoir ce type de matériel futuriste dans sa ferme. Ça peut être cool. Il était déjà hein, dans le 19, hein, ça, il y était déjà. Il y a ça, ensuite on a voilà, des masses de John Deere. De chez John Deere en plusieurs configurations. Voilà, 700, 1000, 1700 kg. On peut changer la couleur. Hein. Sur du John Deere, on peut mettre par exemple du Massey Ferguson. Voilà. Du Massey Ferguson avec du JCB. Voilà. Ça fait un peu jouer, mais voilà quoi. Hein. Voilà, on a plusieurs types de masses. Voilà, pour ceux qui voudraient des masses un peu différentes. Hein. Voilà. C'est vrai qu'elles sont assez jolies là. Petite vis comme ça et tout. Ouais. C'est un plus, c'est pas le truc que je prendrais, mais ouais, je crois que je viens de l'acheter en triple, en double. Voilà. Et bien sûr, on va poser le quatrième mode. On va aller chercher le tracteur, vous inquiétez pas. Mais on va d'abord poser le quatrième mode qui se trouve dans outils. C'est l'atelier pour véhicules à seulement 1000 €. Voilà, ça vous fait pas trop cher. On va le mettre là. Est-ce qu'on pourrait le rentrer à l'intérieur du bâtiment? Je sais pas. Par exemple, attends, là, les portes sont ouvertes. Si je fais ça... Ah, ça marche. Ah, GG, je savais pas ça. Ah, non. Ah, ça marche. D'accord. Ah, bah, au moins, comme ça, vous savez, vous pouvez mettre des choses à l'intérieur d'un bâtiment. Ah, c'est cool, ça. C'est cool. Alors, voilà la bête. Case. Ça fait bizarre.
Ça fait vraiment chelou ce tracteur. On va prendre la masse. Voilà. Ah, pour reculer. Ah, les roues se tournent pas. Je sais pas si c'est un bug ou pas. Mais. What? Je sais pas, j'ai l'impression que les roues se tournent pas de ouf en fait. On a des options de phare. Une. Clignotant. Pas de clignotant. Et puis là, pas de gyro pour le coup. Donne-moi ça, mon tracteur du futur. Ouais, il se tourne pas super, je trouve. Je sais pas. C'est spécial. Ah si, il y a clignotant à l'arrière. Ah, que à 53 km/h. J'ai même pas vu ça. A combien de chevaux cette connerie? Combien ça a de chevaux cette connerie? On est sur du. Ah ouais, quand même! Ah ouais! 450 chevaux. Ah, ça attire pas mal, hein? Hein? Comme ça, vous prenez ça pour. Vous savez, quand vous mettez un ouvrier à aller livrer une remorque quelque part. Vous lui mettez ce petit tracteur là et hop, vous avez l'impression qu'il y a le tracteur autonome qui part ramener ce qu'il faut. Ça peut être pas mal. Voilà. Voilà, ensuite on a l'atelier. Bon, là on peut rien modifier sur celui-là, on peut juste faire les réparations. Ouais, il tourne très très mal hein, par contre. Hein. Ouais. Ah, faut aller dessus, oui, c'est vrai, je suis bête moi. C'est pas un trigger pour remplir, voilà, option, et voilà, tac, là hop, vous avez configuré, ah, vous pouvez changer du coup le poids de la masse, directement, comme ça, ah ouais, d'accord, ça rajoute des poids comme ça, comme une machine de musculation, en fait, ah c'est sympa, d'accord, ouais, comme une machine de muscu, tu sais. Ça fait ridicule. Ben voilà pour ce qui est de ce tracteur autonome. On peut tester la fonction employée, voir. Vous voyez, comme ça, vous le mettez là, hop, vous lui mettez non remorque. Et là, pour vraiment faire croire à un tracteur autonome, vous mettez un employé, hop, le tracteur va partir tout seul. Là, ça peut être cool. Du coup. On sélectionne aller vers genre tiens je veux que tu me livres ça chez le négociant en bétail hop vous mettez là R3 vous sélectionnez le sens tac et voilà là ça lague un peu hein. Et là il part tout seul voilà. Reviens, petit tracteur. Reviens. Ouais, c'est cool, là. Ça peut être cool, quand même, comme ça. Là, on a vraiment l'impression d'un tracteur autonome. Du coup, bah, même en travaillant dans les champs, hein, je dis ça, mais il sera. Ouais, ça peut être cool. Ça peut être cool. C'est vrai que c'est pas le truc que je prendrais en premier en tant que mode, mais voilà, ça peut en intéresser certains. Après, t'es déjà, je pense que beaucoup le connaissent parce que t'es déjà présent sur le 19. Mais là, ouais, ça peut être cool. On voit ce tracteur là avancer tout seul. C'est vrai, c'est pas mal, quoi. Ah, ça va, hein, il y va bien. Hein. Il n'y a pas de voiture sur la route. Ah, si, là-haut. Bon, oui, des fois, je sais pas ce qu'il fait. Ouais. Il est un peu perdu quand il voit des tournants, j'ai l'impression. Ouais, c'est sympa. Hein? Alors, on va se mettre là. Hop, on va le voir arriver. Alors, on va réussir à tourner, à te mettre bien. Mais il est où? Mais alors. Ah, j'étais en train de me dire, d'ailleurs, il a disparu. Ah, je lui ai dit de se mettre, je crois, vers là. Hein.
en position face vers le trigger. Ah, ça peut être bon, ça peut être cool. Et voilà, tac. C'est sympa. Et ben voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo. Hein. Désolé, hein, c'est pas de ma faute. Il n'y a pas encore beaucoup de modes vraiment vraiment intéressants. Moi, les premiers modes que j'ai hâte qui tombent, c'est les modes usines. Avoir plein d'usines différentes. Genre, bah là, par exemple, mobilier, on a, voilà, on peut faire des meubles pour le moment, mais après faire d'autres choses avec le bois. Voilà. Après, bah pareil pour tout ce qui va être vêtements. Pas une pizzeria, une usine, hein, pas un point de vente, hein. Une usine pizzeria où on devrait aller livrer du coup de la farine pour la pâte à pizza, des œufs, du fromage par exemple, de l'huile d'olive pour faire la pâte à pizza. Ça serait cool, livrer ces différents matériels, tac, hop, on fait des pizzas et tout ça. Voilà, c'est ça, c'est vraiment le truc que j'ai hâte, c'est vraiment vu qu'en plus maintenant les usines sont implantées directement dans le jeu, donc on va vraiment facilement en avoir des usines. Et ça pourra être vachement cool. Bon, nous on est sur console, sur le mode hub, hein, c'est impossible pour ceux qui penseraient avoir le mode pour faire du vin. C'est pas possible quoi. Ouais, ça pourrait être cool. Du coup, bah moi, allez, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Allez, salut tout le monde. Bye.